on se rejoint aujourd'hui pour un petit live découverte sur Link's Awakening. Hop, moi. Oui, on va faire le ré. Vendredi dernier, tous les jeux Nintendo c'est toujours vendredi. Voilà, donc entièrement fait gratuitement des petites features de gameplay en plus, par des rapports hier. Oui. Voilà, exactement. Oh oui. J'ai connu le premier. Donc on va préciser, on est au magasin jeuxvideo.fr Saint-Quentin. Voilà. J'ai proposé donc mon jeu, donc ce Zelda. Bon, pour ceux qui me connaissent pas, bon, je suis Cosmic Mad Gaming, j'officie sur YouTube. Et là, donc voilà. Voilà. Donc j'accompagne Belsko. Voilà, voilà. Ça reste fidèle, oui. Ah, puis pour les rétro gamers, on garde la fibre. Voilà, voilà. Non. Ah, on va commencer une nouvelle partie. Mode héroïque, je pense que oui. C'est voilà. Difficulté x2. Bon, comme dans tous les Zelda actuellement maintenant. Ouais, il y avait le Master Mode. Voilà. Oui. Allez, c'est parti. L'aventure à Cocolint commence. Oh oui. Et les graphismes font penser un petit peu. Oui, un peu, ouais, du Animal Crossing un peu dans ce style. Justement, il y en a qui justifient la DA avec le fait du twist final un petit peu. Et oui. C'est vrai que ça connaît plutôt pas mal. Quoi. Surtout quand tu vois les apparitions des personnes Nintendo, par un Kirby. Qui oui, oui. Bon, pour ceux qui connaissent pas, hein, il y a beaucoup de références aux autres jeux Nintendo. Hein. Dans les Zelda, il y a toujours un. Oh, oui. Dans celui-là, c'est vrai qu'ils avaient bien blindé avec Kirby, t'as des choses. Oui, il y avait Jump, Yoshi, le Dr. White. Ouais, oui, aussi. On voyait dans. Ouais, ouais. Dr. Watt dans SimCity, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, hein, je vous invite à le découvrir. Alors voici le premier objet. Le classique, hein. Voilà, classique bouclier Ilien. Ah, il est sur 4 comme ça. Voilà. C'est agréable ça, c'est vraiment des questions en bouton. Voilà. Les raccourcis dans ce jeu vont être vraiment bien pratiques, hein, au niveau des touches. C'est vrai qu'à l'époque avec A et B, tu les avais repassés. Oui, il fallait toujours faire start, trouver le bon objet. Alors, village des mouettes, c'est parti. Lui, c'est joli. Oui. Oui, oui, oui. Voilà. Et oui, le chump. Voilà, donc l'inventaire. On pourra avoir tous les objets donc sur la droite. Bon, après, l'inventaire, on va sauvegarder. La carte. Au fur et à mesure qu'on va avancer, la carte va se... Voilà. Par exemple, quand on va descendre à la plage, tu rapiras puis tu verras que ça va. Oui. Ah, c'est tout au sud. Il suffit de descendre. Voilà. Oula. Alors on fait pro. Ouais. Voilà. Ou tout simplement. Hein, donc l'objet qu'on va aller chercher, hein, on va pas trop spoiler. Hein. Bon, vous devinez tous. Hein. On peut se protéger avec le bouclier, c'est avec Claire. Ou pour pousser, voilà. Voilà. Tout simplement. Et voilà le Saint Graal.
héros. T'as vu comment ils ont marqué? Ouais. Ouais. Oh, ça fait original. Voilà. Ouais, voilà. Voilà. Oui. Hop là, et c'est parti. Voilà. Il y a un petit peu la chauffe au rugby. Oui. Ah, je l'ai sur 3DS, mais j'ai pas encore fait. Oui, ça y ressemble. Ah, Ligo Banane. Alors, on a vu qu'il parle de boîte de conserve, ça fait partie d'une énigme. On va pas trop en dire. Non, mais ça pète assez rapidement. Voilà. Boum. Oui. Oula. Oui, oui, voilà, ouais, tu vois la carte se dévoile. Et je vais remonter. Bon, un petit cœur au passage parce que bien blindé. Oui, c'est peut-être. Ouais, c'est la même. Ça viendra. Oh le beau coffre, mais maintenant voilà, on peut pas encore. Bon, on va monter, ouais, faut monter en haut. On va se retourner. Je ne prends aucun risque. Oui, oui, ça te fait faire le tour. Maintenant, il faut remonter au niveau du village. L'indice, il va falloir aller dans la forêt. Te souviens-tu? Alors là, franchement, je me souviens quasiment du jeu par cœur. Je me rappelle de toutes les formes de boss de temps. Oui. Il faudra monter au nord. Voilà, sur les côtés, voilà, sur qui te prends. Tout au nord normalement. On retourner comme si on allait au village. Bon, après on peut montrer, bah voilà, tout en dessous ça va être le... Voilà. Montrer la première caverne. Voilà. C'est la cave Flagello. La plume, oui, c'était la plume. On va pas en dire plus, on la fera après. De toute façon, on va tout viser. Non. C'est pas obligé, mais c'est... on peut. Mais elle n'est plus là. Pour les connaisseurs, ils savent où elle se situe. Ouais.
Oui. Ou à fort. Alors, je te conseille d'aller un peu sur la gauche, dans la petite grotte là. Voilà, en bas, en bas, en bas. Oui, il y a la forêt enchantée, voilà, c'est là que je le disais. Là, si on veut se recharger, donc 3 coeurs. Voilà. Et là, déjà, premier bonus. Voilà. Les classiques, fragments de cœur. On va en récolter 4. Ouais. Toujours 4 sauf, sauf dans Twilight Princess, il en faut 5. Voilà. Voilà. Et c'est parti. Donc l'alter ego de Capoeira Gabora vient. Oui, on vient de le voir. On a montré. Ouais. C'est un peu moins en mode oui, ils ont facilité pour le public connaisseur, donc oui. Voilà. C'est vrai. C'est vrai que quand j'ai joué à l'époque, j'ai vraiment galéré. On est bien parti. Ça c'est inévitable ce passage. Ah oui. Voilà, fragment de puissance. Attention. Non. Il faut sortir et re-rentrer. C'est le piège. Voilà. Le trésor, on l'a fait si on veut. Faut taper. Oula, oula, oula. Oh, faut aller chercher vite le cœur. Ah, il y en a un autre. Ah non, on peut toujours passer, ouais. Oh, ça va. Attends. Ouais, voilà, effectivement. On peut monter en hauteur, hein. De toute façon, faut monter en hauteur, c'est obligé. Passage obligatoire pour la rentrée. Si si, on peut les pousser, si si. Voilà. Non, c'est les gros crânes couleur foncé. Donc faut le défoncer, lui. Voilà, normalement on peut. Voilà. C'est ça. Le rubis mauve, voilà. Oui. Voilà, donc un coffre d'ouvert. On passe à la suite. Alors... Ah, oui, oui. Ouais, on peut pas pour l'instant. Que ceux qui sont... Ouais. Là, faut y aller. On peut pas, faut avoir les grandes forces. Oui, il faut soulever les crânes, on peut pas. Regarde, hop. C'est vrai qu'ils avaient bloqué dès le départ avec. Oui. Ah, sinon, ça serait trop easy. 5 de quart de cœur ouais. En 20 minutes. Ouais. Ça fait beaucoup, effectivement. Protège tout, normalement. Hop, regarde, hop. Ça permet d'être... hop. Voilà, ça, il faut utiliser. Donc si tu te rappelles bien, tu dois savoir où le... C'est ça, exactement. Donc là, on est coincé, donc il faut faire demi-tour. Hein.
Ouais, tu vas être coincé. Faut... Toutes les petites énigmes, hein, ils sont pas très compliqués, mais il faut... Parce que là où l'avantage, c'est qu'il y avait quand même une marque, parce que tu pouvais... Oui. Un poil là c'est bon. Ouais. On veut pas traîner. Et oh là là. Oui. Oh c'est pas grave alors. Bon, c'est bon, on récupère bien les cœurs, c'est un problème. Oui. La petite fée, donc quand on est épuisé. Et là, on est en pleine forme. Voilà. Oh, attention, oui. Voilà. Ah, c'est pas négligeable, 5 en plus. Ah, sur le côté. Il fallait remonter. Pour l'instant on peut pas. Là on est bien parti pour aller voir la sorcière. Ok, allez. Bon, attention de pas te toucher. Bon, c'est pas grave. Donc voici donc le fameux labo. Allez, fais la soupe, la marmite. Ouais. Et voilà. C'est prêt, la poudre magique. Ouais, ou non, ou sur l'autre torche. Ah, tu la signes, voilà, si tu veux. Voilà. Oui, oui. Bon, sinon, le champignon réapparaît dans la forêt. Hein, donc, on peut. On ramène un champignon et c'est bon. Retourner encore à la forêt. Hop. C'est bon, faut faire attention, faut y aller avec parcimonie, ouais. Voilà. On n'est pas très loin normalement de. Oui. C'est pas gênant, soit, après on s'habitue. Voilà. Voilà, c'est bloqué. C'était sur ta droite. Sur ta gauche, je voulais dire. Normalement. Fallait monter vers le haut. Voilà. Non, là, tu dois te souvenir. Là. Évidemment, il en a trop dit. Donc, on revoit notre compère Tarkin.
Ouais. Je peux te dire, dans ta tête, sans faire champi, j'ai pas trop de problèmes. Hop. Ouais, c'est le même dialogue. Voilà. Il a la tête de Mario, tu vois. Oui, oui, oui. Oui, c'est un peu. On va dire son alter ego. Dans un autre monde. Et voilà, la fameuse clé. On va pouvoir donc accéder au premier palais. Enfin, premier donjon. Palais, donjon. Ouais. Il y en a 8. Il fallait récupérer 8 instruments. Hop. Là, il y a un petit passage. Et après, c'est pour l'instant, c'est optionnel. Alors c'est Pépé Ramolo. Ce personnage là il est dans le village. Voilà. Voilà. Bah, il va falloir repasser comme au départ. Voilà. Ah, le gland. Défense maximale. A savoir que le gland et le triangle peuvent être cumulés. Ouais. Ouais. Voilà. Comme vous avez constaté, au lieu de perdre un demi-cœur, il a perdu un quart de cœur seulement. C'était plus bas. C'est juste là-bas. C'est juste là-bas, effectivement. Si vous repérez bien avec la carte, il n'y a aucun souci. Ouais, voilà. Oui, voilà. Oh. Oui. Oui, voilà. Voilà. Après, on... Oui. Ah oui, 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 oui. Ils en ont parlé, ça a été évoqué à un moment. Oui, oui. Effectivement. Ah oui, oui, oui. Après, je pense qu'il peut y avoir des demandes de la part de fans qui que Nintendo écoute. Rêvons. Après celui qu'il faudrait qu'il tente à remake, c'est Nintendo. Ah oui. RPG, ouais. Allez, c'est parti. Ça peut être pas mal. Oui, pas non plus trop. Mais si c'est de bonne qualité. Et puis tout fan de Zelda. Attends ça. Hein. Moi le premier, je suis fan. J'ai commencé sur le premier. Alors, je sais de quoi je parle. Voilà. Effectivement, ça rajeunit pas. Ah oui, donc la fameuse boussole. Classique. Oui. Ah oui, c'était un must. Oui. Oui, c'est vrai. On peut préciser, oui, ceux qui ont le, online, le Nintendo Switch Online, ils n'ont pas encore vérifié, il y a les jeux sur Nintendo. Sur ouais. Les jeux NES, il y a des jeux sur Link's Passage. Oui. Et sur Link's Passage. Link's Passage. Voilà. Il y avait un coup. Ouais. C'est pareil, on parlait de tout ce qui était remake et justement que t'avais fait la forme en remake. Oui, oui. Là il y a The Last of Us 2 qui va sortir et qu'il y avait pas deux ans, il y a eu le. Oui, oui, le tout premier, oui. Ouais, ouais, c'est bon, ça va passer. Si tu vas un petit peu sur le côté, voilà.
des japonais mais pas forcément d'action. Oui. Et en fait il avait fait les films de Katsuyana, il y a le Bofana maintenant les joueurs. Oui. Attention. Regarde bien sur le côté. Il y avait le petit carré pour bloquer, hein, c'est la petite astuce. Entièrement gameplay, redesign. Oui. Et là, tu sens que tu ne fais pas avoir vraiment un remake. Oui. Là, il y a la sensation que tu sens que tu prends un effort qui marche trop. Quand même pour taper, donc ça va. Ah oui, l'œil, oui, on n'a pas le... Mais c'est pas grave, c'est simple, tu dois connaître à peu près, tu dois voir comment... Ah, on était bon sinon. Hein. C'est un truc classique. Là, tu vois, il faudrait récupérer un bec, mais... Non, regarde bien. Tu vas, voilà. Mets-toi bien et puis pousser, tout simplement. Ah oui, c'est classique. Voilà. Ah oui, là, attention. Coup du bouclier. Voilà, qui est frappé. Ah, ok, pas négligeable. Oh bah, allez, hop. Oui. Voilà, malheureusement. Oh, allez, vraiment de puissance. Oui, les phases, ouais, qui a... Oui, ça rappelle Mario, des petits clins d'œil avec les Goombas. Oui, mais ça on va récupérer après. Oh, bon, ça va nous servir déjà. Donc, premier trésor, la plume de Rock, on en parlait tout à l'heure. Ça, c'est le grand plaisir de ce... Voilà. Ouais, c'est un avantage. Oui. Ça c'est bien pratique pour gagner du temps. Hein. Là, attention, ça va être un jeu de rapidité après. Allez, double bof, voilà. Voilà, comme ça, oui. Ouais, au joie, oui. Encore une fois. Peut-être que le premier. Tu compares avec les 4-5 premiers. Oui. Oui, c'est une mise en bouche. Le fameux squelette qui est bougé. Ouais. Là, c'est fermé pour l'instant. Alors, premier boss intermédiaire. Oh, il est easy celui-ci. Voilà. Non. Non. Hop. Bon, ça c'est un... Un téléporteur, ouais, si on veut retourner au début. Oh, attention, voilà. Allez, là, il faut la clé du boss. Ouais, c'était juste pour récupérer des cœurs. Oui. Ah, maintenant, à la chasse
la clé du boss. Oui, il y en a plusieurs. Oui. Bon, moi je me souviens de ce qu'il est. C'est celle-ci. Ah oui, là c'était le mini-jeu de... Voilà. Raté. Ah, raté. Voilà. C'est bon. Voilà. Le bec du hibou. Voilà. Bec de pierre. Hein. Là, on peut parler au hibou. Oui, on vient de le faire. On l'a fait. Alors, c'est des petits conseils. Oh, attention. Voilà. Voilà. Non. Ça aurait été plus rapide. Et là, on va faire rapide parce qu'il y a un ennemi. Oui, on peut l'éloigner, mais... Voilà. Ouais. Alors, on peut ouvrir. On peut pas faut passer en bas. Ah ça très bien. Là. Ça y est, passé. Ouais. Ouais. Alors... Bon, en soi il est pas compliqué, mais faut faire attention. Ouais, c'est quand même bien. Bon, faisons attention. De ce côté. Voilà, malheureusement. Un petit cœur de plus aurait pas été négligeable. Hein. Eh oui. Ah, t'as voulu aller trop vite, hein. Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on peut raccourcir, allez, hop. Oui. Faut faire juste attention de pas perdre. Voilà, pas de cœur interdit bêtement. Oui. Oui. Allez. Ouf. Ouf. Et voilà. Oui. Et voilà. Voilà, voilà, premier cœur. Ah.
le premier instrument, voilà, le violon. Oui, ils ont bien modélisé. Ah, attention. Oui. Tu sens qu'il y a eu un changement à un moment et un gars il s'est dit bon on va faire Twilight Princess les gars. Le gars tu sens qu'il passait par une mauvaise période dans sa vie. Effectivement. Mais du coup après c'est le plus grand. Oui exactement. Alors je trouve marrer déjà les bonnes un peu là-bas, on est passé tout à l'heure. Et les instruments qui restent logés ici. Voilà les 8. Les quêtes classiques. Et donc là les petites clés en plus. Voilà les clés de chaque. Voilà. On va nous féliciter pour notre premier instrument. Le gars qui te connaît depuis on sait combien de réincarnations. Ouais. Si t'es brave, mais il t'a fait estimé quand même. Ouais, voilà. La descendance, elle a pas mis au courant. Voilà. Sur ce link là, il a dit bon. Bon. Il reste plus que celui-là. Ah oui, ouais, ouais. Ah oui, là. Non, pas encore. Je crois, ouais. Ouais, mais... Mais là, c'est en lien avec la suite. Voilà. Après, avant d'avancer, sinon on peut aussi faire des mini-jeux. Par exemple, le mini-jeu de la pince. Oui, juste en bas, ouais. Oui, bah tu vas le constater. Faut savoir, on a pas mal de rubis. Et c'est parti. Oula. Ouais. Voilà. Ouais, par les... Ouais, faut faire attention. Bon, on est blindé pour l'instant. Oui. Ça paraît un tout petit peu loin. Ouais. Ah, ok. Oh, 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 avec les secousses, attention. Voilà. Ouais. Ouais. Allez, c'est reparti. Ça peut passer. On n'est pas très loin. Hein. Ça peut passer. Oh, 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 oh. Oh, ce troll. Ouais. Oui. Donc c'est un peu le moment pause hein, alors au niveau de la quête. Moment de répit. Thank you.
sur une fameuse quête de Yoshi. Non, bien avant même. Tout à l'heure, on avait le crocodile qui nous parlait d'une boîte de conserve. Tout est en relation. En gros, ça va être un système de troc. Oh. Ouais, c'est bon, ça passe. On va le dévaliser, il y a de son jeu. Voilà. Ouais, c'est bien. Voilà. Les 50, voilà. Voilà, c'est ça. Ça va être le système de troc. C'est un genre de quête classique en plus dans les updates. Oui. Tu récupères un objet à un moment, tu l'utilises 5 heures plus tard. Voilà, c'est. C'est un peu comme dans Ocarina of Time. Oui, bah on va y aller justement. Ah, c'est tout simple. Et allez là. Et donc on va enlever tout de suite. Apparemment j'ai une version chantée avec des paroles et tout, mais ils n'ont pas inclus dans le jeu. Ah, c'est dommage. Ils ont fait une version avec paroles chantées tout ça qui avait été utilisée pour les tonnes et tout. En fait, ils n'ont pas utilisé apparemment une version. C'est dommage. Oui, effectivement. Voilà. Voilà, hein, oui. Une peluche pour bébé. C'est mon Yoshi. Alors du coup, ça se passera dans les marées. Voilà. Voilà. On avait passé furtivement tout à l'heure. Voilà. Il y aura des petits bonus en plus à récupérer du coup, parce que voilà. Un cœur qui traîne dans le coin, enfin un quart de cœur qui traîne dans le coin. Bon, il y en a un ici, il y en avait un aussi dans la forêt. Voilà. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Faut attendre encore un petit peu. Exactement lequel. Oui, mais non. C'était un leurre. Il y en a un effectivement, mais faut trouver lequel. Pour ce point-là, je sais plus exactement où ça se situe. Oui, je crois qu'il y avait un bonus, il y avait un quart de cœur. Pas grave. Après, on peut toujours pas patienter. Normalement, il y a un passage. Non, ça. Voilà. Au cas où.
Voilà, fallait passer par un petit trou. Oui, c'était un petit raccourci. Donc là, c'était l'arnaque, c'était les anémones. Ouais, bah, le Dr. White. Et on en parlait tout à l'heure. Oui. Le perroquet. Ouais. Attention. Le gland de défense, c'est très intéressant. Oui. Effectivement. Là, tu vois, on a pas à vue. Ah, la fameuse grotte, normalement. Ah oui, on ne peut pas encore avoir accès. Par contre, en face, oui. Allez, 22 plus. Oh, joie. Ouais. Voilà. C'est oh, joie. La paye est arrivée. Oui. Regarde sur ta carte, t'as un petit conseil. Ouais, fallait... il y avait une grotte, normalement il faut trouver le toutou. Là on se dirige vers le deuxième palais, mais je crois qu'il y a une grotte ailleurs. Oui, on peut, mais il faut avoir le toutou pour qu'il débloque le... Voilà. Ah oui, c'était pas très loin de la sorcière, il me semble-t-il, pour aller le chercher. Ouais. Oui. Voilà. Oui. Ça pourrait être pas mal. Alors là, on a repris le cimetière. À la prairie, non, fallait pas y aller tout de suite, c'était le troisième. Oui. Oui. Oui, c'était en fait. Non, là, de toute façon, non, on peut pas, c'est pas ici, ça reste dans le marais, il faut trouver la grotte des Moblins. Oui. On va retourner, on va trouver. Je crois que c'est vers ici. Oui, oui. C'est ça, voilà, c'est ici, tout simplement. Hop là, juste là. Mais donc c'est vrai qu'il n'y avait pas de valeur à le faire découvrir random du fait que t'as pas de notion de gagner quoi que ce soit. Avec voilà. C'est le problème qu'il faut faire une perdeur de hop, allez, on monte petit. Jusqu'à la grande pierre. Ah mais là il y a des... Là. Je peux éviter. Ah voilà le grand chef. Ouais c'est ça. Justement il va. Faut le laisser foncer dans le mur. Voilà.
J'arrive, balance, hop. Hop là. Bon, c'est plus simple. Oui. C'est histoire de faire un intermédiaire. Hop, voilà. Il suffit juste de le décrocher. Un clic sur le haut. Voilà. Si, si, si. Si, si, il va se décrocher tout seul. Voilà. Ouais. Que l'air. Ouais, que l'air. Donc maintenant, il nous accompagne jusqu'au de l'entrée du deuxième palais. Et après, t'as même... Voilà, il va même bouffer les ennemis. Ça va être, il va jouer le rôle d'assistant. Il est pas aussi charismatique que Midona, mais il est très bien. Oui. Hop là. Une piqûre de rappel. Alors, il y a une petite référence à côté. Voilà, Igor. Voilà. C'est avec lui qu'on peut avoir les bonus, enfin les donjons bonus là, qu'ils incluent dans cette version. Voilà. Voilà, c'est ça. Effectivement. Juste au dessus, me semble-t-il. Ah non, oui, il faut refaire carrément le tour. Hein. Non. Il faut refaire ouais, carrément le tour. Hein. C'est... Bon, pour l'instant, c'est le défaut. Bon, c'est pas grave, on connaît le chemin. Voilà. Wow, wow. Voilà. Ouais. Voilà. Oui. Il faut avoir l'appel pour creuser. L'appel qu'on peut acheter chez le marchand dans le village. Hop. Et on va tout faire aussi, d'accord. On verra ça après, il y aura autre chose à faire. On va retourner dans le village. On sera obligé de rendre le village. Voilà. Oh, oh. Ah, c'est... Voilà. On peut passer. C'est un coup pour tout. Mais c'est intéressant à prendre. Voilà. 50 rubis, oui. Là. Plus 5 derrière. Et un petit. Voilà. Allez, vous, tout ça. Voilà, c'est parti. Voilà, le second. Bon, là, ça va se corser un tout petit peu. Ah oui, sinon, ce serait trop simple. Voilà. Allez, le système, attention à lui. Hop. Voilà la première clé. On peut l'utiliser en bord. Ah là, une énigme. J'ai un petit peu galéré quand j'ai rejoué, hein, mais j'ai réussi à trouver. Il est pas trop embêtant. On va y arriver, on va y arriver.
c'est une question de placement. Là. Non, 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 enfin il faut être. En gros, l'astuce c'est être de dos par rapport à lui et faire l'attaque cyclone. Voilà, en s'approchant. Mais c'est vrai que là c'est un peu embêtant. Voilà, là ça sera peut-être plus simple. Non, logiquement c'est bon. Si tu remontes, remonte. Ouais, non. Enfin, c'est... Ouais. Comment il fait face. Ouais, là c'est bon normalement. Il n'y a plus qu'à faire face de l'autre côté. Tourne le dos. Voilà. Voilà, voilà. Ah, il y aura notamment une énigme là-dedans qui faudra bien prendre en compte. Ouais, la boussole déjà, c'est déjà ça. Alors, je sais pas si c'est l'habitude de la vidéo, l'arthrographe, l'accessibilité, tout ça. Mais ou alors juste les menus start de la merde de l'univers. J'avais l'impression que c'est pas ça qui descend dans les menus. Hein, c'est ça. C'est ça. Ouais, là pour l'instant, oui, on. Hop, bah, c'est obligatoire, c'est obligé. Là c'est les petites énigmes où il faudra switcher avec voilà, ouais c'est une mécanique, ouais. Voilà, effectivement. Tu parles de Oracle Season et je les aime, ça c'est les rares Zelda que j'ai pas fait. Mais ils sont excellents, oui, oui, j'ai entendu du bien. Attends, si. Ah si, j'ai dû faire Edges, il me semble, mais le début. C'est vraiment le début. Ah. Bah, c'est pas grave, le temps qu'ils remettent. Oui. Non, j'entends pas le son, mais c'est pas grave. Enfin, j'entends rien, mais il faut voir. Bah, le temps d'un petit réglage. Logiquement. Juste reset le truc, c'est tout. Il va vraiment falloir que je le change ce casque, parce que des fois je bouge juste un petit coup d'épaule sur le casque. Oui. Et on le perd, le pauvre. Alors. Voilà. Et ouais, du coup, les Oracle Avenger System, bah déjà si t'avais aimé Link's Awakening à l'époque. Oui. Forcément. Et en fait, ce qui est. Allez, dodo. Voilà. Ce qui était super bien avec ces deux-là, c'est qu'en fait, ils te faisaient vraiment une aventure dans d'autres continents à part, comme ça, et tu voyais d'autres faces un peu. Oui. Alors là, que faudra aller la récupérer après. L'univers étendu, je suis pas pour revenir en arrière. Ouais, t'es obligé de faire le tour. Pour faire dans le sens inverse des lignes. Voilà. Voilà. Voilà, là, tout simplement. Et on repart ici. Voilà. Et après, on repart dans l'autre sens. Voilà. Beaucoup plus simple. Voilà. Alors, petite énigme, tout simple. Hein. Enfin, petite énigme, on n'est pas obligé de la faire. Mais... C'était quoi déjà sur ça? Bah là, c'est juste, bah, de toute façon, repoussé. On s'en fout. Non, voilà, c'était juste histoire d'éliminer l'ennemi. Allez, attention. Voilà, il y a une logique. Oh bah, allez, hop. Comme dans le premier donjon. Hop. Voilà. Et du coup, la petite descente là-bas. Voilà. On va faire un tour dans le sous-sol là. C'est ça.
Oula, c'était un peu vite. Ouais. Va aller mieux pas. Heureusement que t'avais la petite protection. C'est vrai que ça aide. Voilà. Là, en mode héroïque, ça aurait pas fait de cadeau. Hop, allez, un petit boss. Ouais. Ah oui, attention, attention. Ouais. Non, ça fait rien. Oula, attention. Il s'énerve là. Il veut juste le taper, l'esquiver. Allez, ramène-toi, hop. Ouais, vous l'avez attrapé, mais non, il n'y a pas pu. Mais du coup, bah, c'est ce genre de mode qu'on a retrouvé dans Breath of the Wild. Voilà. C'est les... Merde, comment c'était le... Les trucs géants là qu'on a, qu'il y a même sur l'île Colanta. Oui, oui, oui. Oula, attention, pas le prendre tout de suite. Donc c'est... Ouais, ils ont été recherchés dans Breath of the Wild, c'était un plaisir aussi. Oui, il y avait sur d'autres petits jeux. Oui. D'autres petits jeux, d'autres trucs moins connus en fait, forcément. On n'a pas été recherchés que dans... Attention au vent, attention. Hop, voilà, la map. Donc voilà, carte complète, hein, donc ça, il reste plus grand chose en soi. Hein. Non, en soi non, mais faut fouiller. Oui. Voilà. Voilà, faut aller assez vite. Alors, vu dans les clés, c'est bon. Encore un coffre. Voilà, en petite clé, on est blindé. Voilà. Là aussi on peut en profiter pour se blinder au niveau poudre si on veut. C'est vrai que moi j'en ai utilisé qu'une. Oui mais bon. C'est jamais perdu en soi. Voilà, un de plus. Et ça respawn en plus. Ah oui là faut allumer. Voilà. Ils ont pas fait long feu, c'est quoi de lire. Là tu vois que... Pour ceux qui connaissent encore bien le jeu, les jeux Zelda en général, ils sont allés très très vite parce que t'as plein de petites mécaniques déjà là. Ouais, ouais. Qui sont bien facilitées en plus par le gameplay. Donc là maintenant on a les bracelets de force qui vont nous servir. Ah, ils sont mis en auto comme ça. Voilà, en auto. Ouais. C'est avant, fallait les équiper. Voilà, maintenant on peut soulever les pots. Ah, oh, c'est agréable ça. Voilà. Ce qui va permettre de bien avancer pour la suite. Oui. Je sais pas, c'est pas oui. Obligé, oui. Perché là sur le coffre. Ouais. Bien, hop là. Pas grave, tu peux frapper, voilà. Ah, on peut toujours faire ça, c'est cool. La petite clé qui fait du bien. C'est ça. Là, on réactive. C'est par là. Exactement. Attention au petit monstre. Voilà. Oh, ça va être intéressant pour la suite, notamment pour les lignes d'en dessous. Il y avait une petite énigme en dessous. Ouais, j'ai juste ouvert au passage. Ah oui, là, attention, attention, non. Remonte. C'était quoi, là, bien, tu dois pousser les carrés, taper le lapin, après taper la chauve-souris et après taper lui. Hop. Voilà. Le lapin en premier. Il ne veut pas mourir. Hein. Il veut pas crever. Pourtant normalement il devrait. Bah là tu vois l'énigme elle est perdue. Ouais. Il faut la refaire. On va remonter voir s'il y a pas un truc ici. Bon bah. Au pire des cas ça récupère les queues. Voilà. Bah, ça permet de revenir ici. C'est ça. Ouais, faut trouver le bec. Là toujours pas, c'est vrai. Non, peut-être pas. Enfin, pour sortir. Si, tu peux quand même en passant les pots. Ouais, c'est ça. Donc, on va recommencer, on peut récupérer les cœurs. Voilà. Du coup, alors. Bah, du coup, on refait demi-tour. Voilà. Et on passe. Voilà. Ouais. Là, on est obligé de refaire encore le tour. L'avantage c'est qu'on gagne du temps. Voilà. Tapez. Voilà. Et
Oula, 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 oula. Oula, c'est ouais. Pour refaire l'énigme donc. Ouais. Alors. Le lapin donc, first. Ah, c'est le lapin en premier, ouais. C'est vrai que c'est embêtant. Normalement, tu, si tu le coinces, tu devrais l'avoir. Ouais. Ouais, c'est que je le frappe, mais il veut pas. Ah. Il faut qu'il soit la tête de face, il me semble-t-il. Le frapper que de face, c'est ça? Oui, oui, me semble-t-il. Je l'ai un peu voir. Ah. Ouais, c'est bizarre, non, parce que normalement, pas. C'est ça l'énigme. Il ne veut pas. Oh, ah, je pas. Sais. Faut d'avoir récupéré sûrement le bec du. Ouais, peut-être pour qu'il donne le. Voilà. Qui donne l'ordre. Le truc à faire, ouais. Voilà. Ah non! C'est simplement comme ça, voilà. Donc t'as des pots dans, le, dans ouais, la salle. Bon, juste bien viser. Alors du coup, on y retourne. Allez, attention. Voilà. Bon, attention. Le pot. Ça. Après, voilà, on peut taper comme ça. Et après, là, voilà. C'est ça. C'est vrai que c'était embêtant. Je... Oui, je me rappelais pas de si. Mais moi aussi, coup, pourtant, mais... je l'ai fait. Hein, et... Sur le coup, là, j'ai oublié. Et voilà, la et voilà, que du boss. C'est un bon gain de temps en plus. Alors, du coup, là, on du coup, ici. Maintenant. Oui. Enfin, ici, ça ne sert pas vraiment, je ne pense pas. Oula. Attention, faut faire un vêtement. Ah, si, voilà. Il y avait quand même, oui. Voilà. Sinon, oui. C'est vrai, j'avais oublié. Une aussi. Salle sans porte, c'est vraiment qu'il y a un oui, souci. Ah, oui. Bah, ça va être tout simple. Attention de pas tout casser. Voilà. Ah non, on peut pas les poser comme ça. Non, là, tu pourras pas. Faut plus de fois, c'est ça. Voilà, ouais. Exactement. Comme le système sur Ocarina of Time. Pareil. Lorsqu'on rentrait dans le ventre de Jabu Jabu. Et donc voilà. Donc là, ça du boss. On peut déjà faire le boss, quoi. C'est vrai que là, on est sur du speedrun. Ouais. Oula. Oula, ouais, attention au cœur quand même. Ouais, parce que j'ai rien pour recharger là. Voilà. Si, si, on va peut-être avoir pour recharger là-bas. Non, ouais, pas. Bah on va être obligé de refaire la petite énigme là. Bon, après, il y a tous les pots de toute manière. Oui, voilà. On devrait bien avoir quelque chose là-dedans. Ah, il est un peu rapace là. Ouais. On dirait qu'il veut pas en donner. Ouais. Ah, voilà, elle a fait. Donc, du coup, je me retrouve en plus avec une petite voilà. Supplémentaire. C'est, oui. Là, Oui, c'est un petit bonus. C'est que normalement ça va sur la partie là. Ouais, sur la porte, ouais. Mais on pourra le faire de même quand tu finis le donjon, tu gardes la petite clé. Voilà. Je crois, donc et même quand on aura fini là le donjon, le boss, il faudra revenir à l'entrée, il y a le coffre qui était coincé, qu'on pouvait pas avoir, qu'on n'avait pas les bracelets de force. Et puis comme là il n'y a pas de clé dans l'immédiat, autant faire le boss et voilà. Et là cette fois faut pas tomber, ça serait quand même bête. C'est vrai. C'est passé. Allez, là on est full. Deuxième boss. Alors là c'était avec la défense si je me souviens bien. Là c'était avec ouais la grotte du génie là, oui. Ouais. Voilà, fallait éviter ses coups. Voilà, tous les projectiles faudra éviter. Taper dans le pot et puis projeter le pot contre un mur. Donc voilà, Belka va vous montrer. On chope le pot après. Après, quand on connaît pas le jeu, on se pose la question comment là, faire. Oui, tu vois, t'as pas là le boss, il est clairement dans le fond. Ça fait pas aller. Voilà, à l'époque, ça pouvait chercher parce qu'il fallait l'équiper et tout. Allez, on voit la sauce. Allez, c'est parti. Hop là. Allez, viens, ouais. Hop, ça fait beaucoup. Alors.
Vas-y, commence à jeter moche. Est-ce que tu es victoire? Ah, c'est pas grave. On va voir si tu flèches les gars. Voilà, la jarre est cassée. C'est ça. Maintenant, il suffit d'aller à l'attaque. Et dès qu'il réapparaît, c'est un peu comme Ghost Ganon dans Ocarina of Time. Allez. C'est pas grave. Ça passe quand même. Oui, en plus, le mieux, c'est de la donne. Pour jouer safe, normalement, on prend le temps de la dodge. Et voilà. Comment buter un boss en un même temps. C'est ça. Mais en vrai, je trouve que ça, c'est justement ce qui donnait, on va dire, un peu la difficulté à l'époque, c'est un peu la rigidité. Parce qu'on n'était pas sur du casse par casse, voilà. Mais c'était un peu plus rigide. Du coup, là, c'est vrai qu'avec la liberté donnée par la Switch en termes de mouvement, de jump, de petite attaque et tout, ça facilite énormément en fait. C'est tellement voilà. Plus accessible. Le second, le compte de l'écume. Oui. Va faire un bon son lui aussi. Oui. C'est juste c'est mieux parce que le design est bien pour une compte, hein, mais c'est quand même très particulier. Voilà. Oui, voilà, oui. Familles, on a pensé oui la même chose. Voilà, mais la prairie du coup là. Oui, la prairie. Après là, à partir de maintenant, là, je connais plus le jeu. Même à l'ancienne, j'ai pas été plus loin. Là en fait, ce qui se passe, c'est que t'as la prairie qui est là-bas. Voilà, ouais. On était... Voilà, la prairie qui était là plus bas qui était bloquée. Et oui. Petit à petit remonte. Et au final, ça va assez, puisque donc t'as des donjons où c'est disséminé comme dans les autres. Et au final, c'est vrai que le petit défaut, celui-là, justement, comparé à un autre, qui aura plus d'activité à l'extérieur, de manière, c'est qu'en fait, là, tu enchaînes vraiment les donjons avec une étape. Oui. Ocarina of Time par exemple avant d'aller à l'émule même tu passais par la grotte voilà. Pour le champ du soleil des trucs comme ça. Maintenant, t'avais plein de petites choses à côté. Là c'est vrai que finalement on enchaîne beaucoup les donjons dans celui-là. Alors je veux dire c'est un défaut mais on perd tout ça. Là fallait rendre le chien au village je crois. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait des gens qui avaient un peu moins aimé ça, mais je trouve que le mien en forme pas voilà. De toute manière. Et donc ouais, il fallait rendre le tout en bas. Voilà. Caché dans les herbes. Après aussi on peut en profiter ici comme on a maintenant on a le bras de force. Ouais, ça peut ouvrir ce petit passage. Voilà. Et bien sûr là où on avait aussi un quart de cœur qui était bloqué. Ah oui là on peut pas encore, il faut avoir le grappin. Ça. Pour traverser les trucs comme ça en entier. Wouhou. Alors. Là, fallait aller dans le petit passage. Voilà, ici. Dans le passage, ouais, dans le creux de l'arbre. Bon, tu vas aller faire quoi là-bas? Chercher le quart de cœur? Ah, oui, c'est vrai qu'on a les. On a de quoi soulever les crânes, c'est vrai. Eh oui. C'est des choses qu'il faut retenir, se dire quand j'aurai l'objet, on peut faire ça. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Penser de repasser à des endroits. Voilà. Là, normalement, plus aucun problème. Hop. Ah, par contre, faut pas ouais, bloquer là, ouais. C'est pas grave. Par là pour le ouais, c'est reparti. Hop. Fallait pousser vers le haut. Tu peux soulever. Voilà. Tout simplement. Et voilà. Et donc, du coup, et ça crée un cœur supplémentaire, voilà. Voilà, nous en sommes à 6. Ça va vite, hein. Ça va oui. Vite. Je me rappelais pas. C'est vrai que je sais pas si c'est vraiment le coup de la nostalgie, de connaître ou machin quoi. J'ai l'impression d'être en mode speedrun, en mode je suis là pour l'éclater au plus vite. Alors qu'au final, on prend notre non, temps. Non, non. Voilà. Après, là, avant d'entamer le troisième, on peut prendre encore plus notre temps au village. Il y a la partie pêche, par exemple, qu'on peut faire. C'est vrai qu'il y a le pêche. Sur deux quarts de cœur. Par là. C'est bon, oui. Voilà, on peut raccourcir ici, voilà, un petit coffre. Qui met bien, ah oui, voilà, oui, les fameux coquillages. Les petits collectibles là. Voilà, c'est ça, fallait les collecter. Alors je sais pas s'ils ont rajouté des fragments ou changé de place, peut-être pour un peu pour le défi, pour les... C'est possible. J'aurais connu le jeu un peu trop par cœur, c'est vrai. Voilà. Ah, maintenant on retourne au village. Ici, il y a toujours des cœurs. Toujours, ouais.
Là voilà, on va rendre le chien. Et voilà, elle récupère son gros toutou d'amour. Voilà. Bon, la gratitude, vous allez voir. Voilà. Voilà, bisous, bisous. C'est comme ça qu'on paye les graphistes aussi en 2019. Voilà. Oh, il est tout rouge. Après, il y a la petite astuce, fallait à côté, juste là au-dessus. Pour le, tout en dessous, là, dans la petite, là, où il y avait la maison, là, le petit coin, en haut. Là, on est où t'es passé pour rendre le chien. Ouais. Tu voilà, dedans, là-dedans, voilà. Ouais. Et oui, il y a l'hôtel avec ses accessoires. Voilà. C'est vrai qu'il y avait le petit, oui. Voilà, et sa boîte de conserve. Et voilà, la boîte de conserve. L'alligator qui est à côté. C'est de... ça, voilà. On avait l'indice tout à l'heure. Ouais, si il est barre en plus là. Alors si je me souviens bien. C'était en dessous. C'était ici, voilà, juste là. On va aller voir vite fait. Moi, ça permet de faire une pause dans la quête principale. Encore une fois. Hop là. Alors on retourne à la cave flagello. C'est encore plus en dessous. Ouais, mais je crois qu'il n'y avait pas une descente ici. Il n'y a pas de quoi descendre. Non. Mais autant pour moi, je pensais qu'il y avait une redescente en plus. Là, il suffira juste de descendre. C'est ici. Voilà. Hop, juste en dessous. Hop, voilà. Voilà, si on lui donne sa boîte de pâté. Voilà. La boîte de conserve. Youhou. Voilà. Ouais, carrément. Ouais, lui, ouais, bon appétit. Ouais. Le métal et tout. Il est un peu trash en ce moment. Voilà. C'est un peu le casque qui retombe, voilà. On sait pas ce qu'il va chier le soir. Ah bah des clous, hein. Ouais. Et donc là, c'est les fameuses bananes à donner aux petits singes. Voilà. Non, pas à côté. C'est autre part, dans une autre maison, mais je sais, là, à partir de là, je sais pas. Alors, ça, c'est vrai que c'est côté pratique pour le faire maintenant. Non. Après, oui, là, on peut en profiter. Encore une visite non plus. Voilà. On fait un petit peu la visite. Oui, on en profite. Voilà. Hein. Donc là, du coup, cet endroit-là, on peut pas le passer. Non, on peut pas. Voilà. Du coup, il y a la maison ici. Ça, c'est une maison hantée. Alors attention. Ouais. Il y a, je sais même plus s'il faut passer faire ici. C'est bien plus tard, ça, par contre. Oui. Merde. C'est pas grave. J'ai un peu trop rapide sur les sticks. Bon, au moins, c'est vrai que ça, c'est un truc. Quoique, il y avait des pots, ouais, on peut pas tous On peut les péter au pire. Ouais. C'est possible. Ah. Bon. Et ce petit coquillage. Un coquillage. Là. Dans mes souvenirs, je crois qu'il en fallait 100. Me semble-t-il. Autant que ça, tu penses? Oui, genre, 100 ou 10, les... je sais plus. Est-ce que voilà, on passe à. C'est un indice. Ah non, il n'y a pas le nombre là donné de sur machin. Non, en ce moment, c'est un youtubeur que je suis américain, c'est un Nintendo Ambassador. Ouais. C'est Abdallah Smash qui est justement avant la sortie du jeu, il s'est refait le 100% sur l'original. Ouais. Et là, il est en train de refaire le 100% sur le. D'accord, pour pouvoir bien comparer. Et ouais, il a fait une vidéo avec toutes les localisations des. Ok. Des trucs sur la version originale. Là, c'est la version de la nouvelle Cloud. Du coup, là maintenant, s'il fallait. Du coup, faire, bah oui, c'est. En fait. Dans la prairie, c'est possible. Donc, faut repasser le chemin. Mais, le plus court, on peut faire, oui, on peut faire. Des petites quêtes au village si on veut. On va voir ce qu'on trouve sur place. Alors. Après, là, à partir de maintenant, c'est le flou total pour moi. Alors, en fait, ça reste. Après, ça, c'est ce que je disais, du coup, ça reste très linéaire au final. Sur l'ancien, ça, tu pouvais un peu patauger, dire je fais quoi, je fais quoi. Oui, voilà. Là, ça, c'est dirigiste. Et en fait, le truc, c'est que t'as pas tant de quêtes annexes. C'est-à-dire que tout ce que tu fais devient important à un moment.
C'est-à-dire que tu débananes, que tu dois tuer le temps, ça finit par débloquer un truc plus tard en fait. Voilà. Que si tu connais, bon, ça te permet oui, de faire oui, oui. Oui, je savais qu'il y avait une quête, mais je l'avais jamais fait. Ça reste relativement linéaire en fait. Normalement, il y a un coin pêche quelque part aussi. Ouais, vous voulez voir le papy téléphone aussi. Ouais, papy téléphone, oui. Pépé le Ramolo. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous raconter? Ok, voir Richard, ouais. Ouais. Au sud-est, il a dit. Ah, oui, non, sud-est. On peut pas encore y aller. Oui, Normwar, c'est. C'est plus après la baie de Martha, c'est. Oui, voilà. Là, en fait. Donc, on n'y est pas encore. Hein. C'est ça. Là, c'était bah, du coup le donjon. Là, on peut refaire aussi le jeu. Aussi, voilà, c'est voilà. Les petits souvenirs, savoir où on en est. Voilà, ouais, c'est les souvenirs. Donc, les rencontres avec le hibou, hein, qui sont un peu les checkpoints du jeu. Voilà, dire, c'est pour ça. L'avancer. Et il y a à savoir des choses, c'est que par exemple, là, ils te les mettent dans un ordre. Y a, alors c'était un bug en plus sur un truc à l'époque où en fait si tu n'avais pas parlé, enfin fait toutes les discussions machin tout ça, tu pouvais pas proc les items des donjons en fait, tu pouvais pas cramer, enfin il y a des étapes que tu ne pouvais pas cramer en fait. Voilà. En fait s'il va faire, donc faut bien faire attention, je sais pas s'ils ont fait quelque chose pour celui-là. Hein, a dans tout le champ je crois qu'il y a un, faut chercher, il y a un coquillage encore. Voilà. Voilà, ils sont tous dans un point précis, faut les trouver. C'est ça. Après je crois qu'on peut refaire le jeu. Ah non, il faut trouver un marchand pour acheter la pelle. Ouais. Oh, t'as largement assez. Hein. Oui, on est un peu blindé. Oui. C'est toujours bien des rubis. C'est ce que je gagne pas dans la vraie vie. Alors. Ouais. Me semble que c'est ici. Me ouais, semble-t-il. Y a voilà. On pouvait acheter ouais la pelle, les bombes. Les bombes, on voulait pas les débloquer avant. On peut en avoir. Hein. Justement, dans les, tu peux prendre les bombes. Il y avait une grotte au sud ouais, à la plage. La plage. On avait vu. C'est vrai qu'on peut les prendre dès le départ. Ouais. Il me semblait qu'il voilà. Fallait comme. Après, oui, voilà, ça coûte cher. C'est trop léger, ouais. Ouais. Tu peux te. Oui, oui, mais non. Après, on risque de le payer cher. Hein. Voilà. Après, on le repose. Oui, il me semblait qu'il fallait le sac oui. De bombes, hein, mais non, apparemment. Alors, du coup, inventaire. On va équiper les bombes là, on va laisser la plume, elle bouge quasiment oui. Jamais. Et on va plutôt mettre la pelle au cas où, en attendant. Et du coup on va aller descendre sur la plage, pour aller faire la petite grotte qu'on avait. Ouais, on récupère un peu des rubis au passage, voilà. Bah, c'est toujours ça de pire. Hein. Voilà. Bah, c'est déjà pas mal. On va récupérer sur la plage. Plutôt. Oui, il y a le petit passage sur voilà. La plage. Et derrière on est qu'à 80 rubis. Oui. D'ailleurs, faut voir ici, est-ce qu'il y a certains items qui reset par contre. Oui, je crois, me semble-t-il. Bon, oui, il y a encore un coquillage. Coquillage, on va les faire vite fait ça. Ouais. Voilà. Ok. Alors, du coup, c'est parti. Ça a l'air d'être un bel attrapé celui-là. Ouais. Je suis plutôt bah, c'est content pile poil, de la hein. On peut pas faire mieux là. Non. Là c'est vraiment au poil près. J'espère que ça tombe pas quand même. Mais bah, voilà. Non, non, c'est bon. Voilà, un attrapé de précision. Ah, c'est plus précis que la fête foraine. Moi tu m'étonnes. Ouais. Du coup, allez. Hop. Un de plus. Ça passe. L'air un peu oui, limite, ça a l'air de passer. Voir ce que ça donne. Ouais, il s'est bien placé. Il a l'air d'être bien calé en plus. Hop, hop, hop. Ça passe. C'est bon. Remboursé. C'est ça. Et on va choper le petit coquillage voilà. Au passage. Hein. Oh au final, ça nous aura coûté que 10 pour le coup. Ouais, voilà. Et le chou. Je vais être léger là, je pense. Je le sens pas très bien celui-là. Ça peut passer. Ça peut... Oui, on l'a senti venir. Ouais. Je me suis dit qu'il allait bloquer la griffe sur le bas comme ça, que ça allait plus bouger du coup. Eh non. Un petit peu trop d'espoir. C'est pas grave. Voilà, hop, alors. J'avais voilà. Aussi galéré hein, pour cette partie là. Hop, un petit peu. Alors. Normalement ça devrait être suffisant. On va finir par le rapprocher.
Ouais. Ah, puis là, il s'est mal placé par contre. T'as pas du tout de point de repère. Non. On a de quoi faire pour les essais. Oui. Donc. Hop. Il est trop léger. Ouais. Non. Ça paraît. Bon, ça a l'air d'aller. Ah, il s'est bien replacé. Ça aide. Ouh, par contre. Ouais. Ah, il me déteste là, le coup. Ouais, ouais. Bon, faut dire que c'est pas stable. Non, il est pas stable le coquillage. Allez. Ah, ouais, ça, c'est foiré, ouais. Ça. C'est foiré, oui. Ça, je pense que c'est foiré. On va tenter quand même, hein. On va pas le faire, mais c'est. Ah, quoique. Ah. Il a ramené sur la griffe. Eh ben, si c'est pas parfait, ça. Ouais. Du coup, ça fait. Eh ben. Voilà, on s'arrête là. Plus grand chose à récupérer en fait. Voilà. Je t'ai déjà dévalisé, mon pote. Alors voilà. Ta-da-da-da. Là. La petite jump. Voilà. Et. Mais faut pas le ramener à l'autre du coup celui-là. La figurine Kaikai, c'est dans la maison où on a ramené le toutou. C'est ça. Donc c'est un des petits bonus de cette version. Alors, c'est dans la maison et dans la grande. Hop. Et il y a des petits socles qui permettent de. Sur la table. Tu examines. D'accord. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est les petits socles, c'est des rajouts. D'accord, ok. Bon, c'est mignon comme ça. Mais il y avait un autre petit socle en bas à gauche, ouais. Effectivement. D'accord. Ouais, ça fait un petit truc supplémentaire. Oui, voilà. Gagner avec, mais c'est mignon du coup. Alors, du coup, la plage maintenant. La plage. Vamos à la playa. C'est ça. Cette petite maison là aussi, on l'a pas visité oui, encore. Moi, je sais ce que c'est. De toute façon. Ça. Voilà. C'est pour les petits, et voilà, c'est de gameplay, les petits bouquins. Hein, voilà, c'est, ça sert un petit peu de tuto, on va dire. En fait. Voilà. C'est pour ceux qui sont un peu paumés sur des features. Vous cherchez un peu et des petites choses comme ça. Et il y a une petite énigme ici qu'on voilà. Peut encore faire, mais voilà. Ici, il y a deux livres spéciaux. C'est ça. Donc, on va pas faire tous les tutos. Hein, oui, c'est oui. Pas, voilà. Mais voilà. Sinon, on a c'est un là ici, oui. Qui est bien suspect, voilà. Donc, Et il y en a encore un sur, bien sur le côté c'est ça. Droite. Et qu'il faut un objet pour décrocher. Voilà. Pas encore. Voilà. Maintenant, on va essayer de retrouver la petite grotte où il fallait mettre la bombe. Ça a été juste à côté, là, normalement. Ça doit être. Bah, c'est plus vers le dessous, ça semble-t-il. Il me semblait que c'était justement quand on longeait en bas, là. Juste là. Voilà, juste là-bas, ici. Oui. Hop. Voilà. Boom. En plus, on a un mob suicidaire. Ouais. Hein. Qu'est-ce donc? Ah, ça doit être plus tard. Ouais, c'est pour plus tard ça. Voilà. Bon, au moins on a déjà débloqué c'est déjà la grotte. Débloqué tout ça, on est tranquille. Bah là, du coup, ouais. Bah, on va attaquer le troisième. Hein, ça va être, hein. Donc pour ça, faut faire tout. Peut-être pas. Comme maintenant, on peut soulever les pierres. Ouais, mais non, parce que là-bas on est bloqué. Ah oui, là-bas on est bloqué. Et non, de toute manière, il faut faire tout, mais ça va aller assez vite. En fait. Oui. Ça irait plus vite avec les bottes, mais ça. C'est pour plus tard. Oui, un peu plus tard. D'ailleurs, j'avais rajouté justement une feature avec les bottes. Oui. Tu peux faire une espèce de jump encore plus long. Alors, je vais pas dire c'est un glitch ou quoi, je pensais y penser hein, dans la version. Bon, en fait, tu pouvais déjà sauter après avoir utilisé les bottes pour faire un plus grand saut. Ok. Mais là, tu peux provoquer en fait un espèce de. Je vais pas dire le jump, je pensais quand même voulu, tu vois. Mais où tu fais un saut encore plus grand que prévu pour juste passer normalement okay. Les 3 trous en fait. Ah oui. Et t'as le perso qui décolle, ça c'est marrant. Ouais, ah, Igor il est venu ici. Ouais, Igor il vient juste ouais. Là et. C'est là justement qu'il prévoit les donjons. Voilà. On va en faire un, tu vois, pourquoi pas. Voilà. À droite et en haut. On va aller voir ce que ça donne. C'est la nouvelle feature du jeu en plus. Je sais pas quand est-ce qu'on peut la débloquer en soi, mais. Si elle est déjà ou pas. Alors. Ah oui, là c'est la pêche. Bah voilà, ouais, petite pêche. Il y a 2 quarts de cœur à récupérer. On peut les faire.
Voilà, un petit moment de répit, de calme, de concentration. Oula. Alors faut aller chercher tout en bas. Oui, il y a soit le plus grand ou un des autres poissons qui contient un quart de cœur. Je crois que c'est les deux verts qui font un quart de cœur. Ah, j'en dirais pas plus. Moi je les ai eu tous les deux. Allez. Il veut pas. Encore un tout petit peu, je pense qu'il va venir. Faut l'attirer un peu. Voilà. Et on spamme le bouton. C'est ça. Allez, allez. Oh, il veut pas. Il s'est échappé. Ouais. Ah. Oh oui. Il ouais, faut s'y prendre en plusieurs fois, des fois. Voilà. Hop, bon, on est plus petit, logiquement. Ah, mais lui, il gêne. Allez. Ouais, voilà. Sors les muscles, Link. Je croyais que t'avais des gants de force. Un petit poisson. Oui, un petit. On peut mieux faire. Ouais, il redonne des rubis. Mais regarde. Ça, ouais. C'était un des rouges. Voilà. Il me semblait que le gros avait... Le gros a quelque chose. Mais du coup, je crois qu'on est... on va être obligé de quitter. Oui, voilà, quitter puis recommencer. On va essayer de le pêcher, le gros poisson. Ça va être le défi. Oh, ça a été un bonus. On a récupéré un rubis. On est pas perdu. C'est ça. Et puis le quart de cœur, du coup. Voilà, puis le quart de cœur, évidemment. C'est jamais perdu. Voilà, on connaît le dialogue. Maintenant, il suffit de faire attention. Après, ici, c'est pas mal. Attention. Non. Bon, après, c'est pas grave, hein, si tu chopes direct. Allez. Et voilà. Hop, bon, au moins, ça libère le passage après pour le gros. Plus simple. On a pêché un petit poisson. Ouais. Oh, il est plus petit que celui de tout à l'heure. Ouais. Ça rappelle la pêche dans Ocarina of Time. Dans toutes les références. Oh, c'est un classique, hein, la pêche. Ah, ça oui, dans les Zelda. Je pense que par ici. Voilà, là tu peux. Couper. Le temps que le leurre coule. Non. Oh bah tant pis, on marque le, voilà. Là j'ai bien shooté dès le départ. Ouais. Bonne poussée. Allez. Voilà. Il résiste le con. Voilà. Bon, celui-là il est plus grand. 38 ça fait du 20 rubis et des boîtes. Deux fois ça. Plus gros. 13 rubis seulement. Ah ouais, je pensais qu'il était plus généreux que ça. Oui. On va y arriver. Voilà. Il va venir, il commence à être attiré. Il faudrait l'avoir plus près. Il va venir. Yo, viens becter. Voilà, c'est parti. Allez. Et ça se passe, oh, il a lâché. C'est marrant, moi j'ai eu tout du premier coup quand j'ai fait ma partie. Ah ouais, il y a des flots comme ça, c'est sympa. On va aller finir le verre là-bas en bas. Et on va laisser couler comme ça. Ça par contre, c'est vrai qu'il pourrait faire un truc pour que tu le fasses couler plus vite. Ouais. On dirait qu'il y a une plume qui coule là. Allez, et alors il va venir. Il va se remonter un petit peu, mais voilà, ça va. C'est ici que ça se passe. Allez, viens. Voilà, mon gros. Non. Il a pas envie. Pas coopératif. Hein. Non, effectivement. Non, pas. Non, je crois qu'il est. Il veut pas. Bon, je refais le petit là et puis on va quitter. Hein. Oui. Bon, fou, il a pas l'air de. Non, il a pas l'air bon. Non, lui, il est pas chaud.
Voilà. Allez. Allez. Vous voyez, voilà, on a déjà chauffé un quart de cœur. Oui. C'est vrai que c'était mignon, c'était bien pensé en plus, même à l'époque, la façon dont c'était fait. Allez. Alors, Igor, on avait dit, c'était peut-être plus loin à droite. Me semble-t-il. Ah ouais, là il y avait une maison. On peut rentrer maintenant. J'ai des rêves. Ça me dit vaguement quelque chose. Oui. Ah, il y avait un mini donjon. Oh, par contre, oui. Ouh là là là. Mais ouais, en plus, c'est un peu. C'est que la Niwa, c'est. Donc, je vais mettre un Ocarina là-bas. Ouais. Et faut. C'est parce qu'il y a un truc pour les battre. Faut y aller bien plus tard pour le vide des rêves. On peut ressortir. Mais ouais, c'est. J'avais oublié, c'est. Peut-être le 5ème ou le 6ème, un truc comme ça, je crois. C'est fait. Possible. Et ouais. C'est assez facile, mais il faut une technique pour les. Alors. On va passer à la suite. Ah bon, la prairie, tiens. Ouais, la prairie, voilà. Petite grotte. C'est ça. Là, je découvre totalement. Alors. Ah bon, normalement, ça va pas être compliqué, mais faut faire attention. Ouh, passe le papier. Alors. Non. Là, je crois que je l'ai bloqué. Je vais peut-être encore le gérer. Ça. Là, c'est bon. Et après, par contre, c'est. Ça. Et ça. Et puis. Voilà. Pas trop dur. On gagne de plus. C'est ça commence à bien grimper. On se casse. Voilà. Alors du coup normalement c'est en haut là. C'est la logique des choses. Ah oui, ça c'est un téléporteur. C'est ça. Bon, vu qu'on en a pas encore pris, on reste c'est ici. Ça. Et au moins ça les débloque. Voilà. On va raccourcir plus tard. C'est bien pratique. Donc là, normalement là. La troisième grotte. C'est ça. Il faut trouver la clé. Le champ des pièges ici, du coup. Alors, ici. Yo ! Avec Richard, du coup, le fameux. Ah oui, voilà. Oui. Évidemment. J'en ai dit, ouais. 5 feuilles, ok. Ouais. Donc, du coup, comme ça, c'est plus ou moins validé. On a la quête en gros. Et du coup, il faut lui ramener ses feuilles d'or quand on va au château. Ouais, voilà. Alors, et il y a le petit bonus là en dessous. C'est tout un petit bordel pour y accéder. Je crois que quand je l'ai même pour un item, je crois que je vais pouvoir y aller. J'ai pas encore. Hein. Ah, oui, d'accord, oui. Quand on et donc là, on arrive à la fameuse prairie dont on a aussi parlé. Voilà. Ok. Comme ça. Ah oui, sauter. Comme ça. Normalement, tu peux les choper en l'air. Oui, oui. Oula. Là. Tu fais faire des doubles saltos et des petits. Donc là, il y a la petite échelle hein, ici. Hop là. Voilà, c'était par là où on est arrivé en fait. Voilà, ouais. Donc, du coup, voilà, j'ai ressenti c'était ça. Ouais, ça c'était ce souvenir, je vois. C'est ça, c'est celui du dessus qu'il faut que je regarde. J'ai vu, c'était prairie ou plaine qu'il avait dit.
prairie. C'est bien prairie. Oui, c'est bien la prairie. Donc c'est en dessous, c'est la prairie ou couche. Voilà, les fameux stèles du nord. Et ben, on peut aller la voir, tu vois, il y a une étrangère au-dessus. La lunatique. Là on le voit, je crois que c'était derrière, c'est un truc derrière le vernivore, donc voilà. Oui. Voilà, ça c'était le côté pratique. Voilà. Tu le tournes fou là, il fait t'as une raise avec tous tes cœurs si jamais tu crèves. Allez, le fameux passage ici. Ça me disait quelque chose. Tu as tout un truc à faire dans le cimetière, mais c'est pas encore. Jouer le tour, c'est pour te faire découvrir un petit peu en passage. Voilà. On n'est pas dans le rush. Non, effectivement. De toute manière, bon, les petits trucs là, il faudrait trouver le truc d'Ilor, mais. Plus d'indication, peut-être là. On est dans des ruines étranges, donc on ne sait pas. Tiens, d'ailleurs, j'y pense. Là, normalement. Non. Celui-ci, ouais, il y a des trucs creusés dans le train de descendre. Hop. On descend avec le caillou. Ouais. Alors. Oui, là, on peut. Oui, il faut avoir le matériel pour. Voilà. Une petite bombe là. Oh. Oui, là c'est. Je sais pas, là. On va voir, ça permettait, ça fait le tour dans le cimetière. C'est pas... Allez, si. Donc, des bottes, oui, oui, il faut. Un truc à faire après, il me semble. Pour ce qui est Igor, on va toujours aller retourner dans la prairie un jour. Qui est au sud et où j'ai failli me suicider. Non, le chemin il est par là. On va descendre juste ici. Et bah allez, c'est parti. On va aller voir l'ami. Alors, allez, hop. Alors ici. Il va falloir faire attention. Non, les paupières. Voilà. Il y a une petite grotte. Voilà, là c'est une petite grotte avec une fée. Ah oui, là c'était la fée, oui. Tout ça. Mais comme on est en pleine forme, elle ne fera rien. Ouais, voilà. Il y avait pas. Ouais, c'est ça, il y avait une petite bombe à mettre. Salut toi! Je me suis fait déconcentrer par un chien sauvage. Doucement, c'est une jambe. Allez, viens! D'accord, Mathias! D'accord, Mathias! Voilà, le château fait voilà. Allez, viens, la mascotte! Oh, la mascotte, elle va venir! Le fameux château de Richard. Hop. Avec les feuilles d'or. On va s'arrêter au téléphone, tiens. Eh bah, ma grande, tu vas être sur la vidéo. Hein. Ah, bah, oui, je veux. Hein. Ah, bah, oui. Voilà, une spectatrice en plus. Comme si j'avais passé avec les chats à la maison qui font ça beaucoup, et ma grande. J'ai toujours un animal sur mes lives de toute manière. Hein. C'est. Eh oui. Youf! Eh oui. À toi. Allez. Ça arrive, hein.
Allez. Voilà. Ici. C'est un petit peu embêtant. Hein. Et en fait, c'est que j'ai galéré parce que j'étais entre la garde et la tête. Voilà. Et en fait, le truc a. Ah, voilà. Sur celui d'origine. Quand tu mettais le bouclier, tu restais dans la direction du bouclier que là il tourne. C'est un côté pratique. Ça permet de te réorienter. En même temps, quand t'as besoin d'être bloqué dans une direction, c'est un peu plus compliqué. Ah oui, la fameuse maison en coquillage, logiquement. Ça. Voilà, donc c'est là qu'on les dépose. Hein. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Mais ça reste de l'annexe, hein, il me semble. Oui, oui. Bon, tu vois, ça monte assez vite, hein. Il y en a pas. Oui. Il en faut plus. Je crois qu'il y en a une. Beaucoup a plus. 25 ou 30 en fait, finalement. Moi, j'ai pas attaqué en soi. Justement, on a un ici. Il faudra creuser. Voilà. C'est une zone de téléport, ça peut. Voilà, ça peut nous servir. Voilà. On va récupérer le coquillage d'abord, ça serait bien. Voilà, du coup, maintenant on peut se téléporter. Voilà. Si ça verra pratique après, parce que finalement, l'île, tu la découvres assez vite. Mais t'as des donjons à côté de donjons, des petits trucs comme ça. Oui, et voilà, ça permet de. Il y a beaucoup beaucoup plus vite. Ah oui, là oui, faut avoir les palmes sûrement. Ça c'est fait. Du coup maintenant par là. C'est le village des animaux. Ah 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 oui. Bah c'est full random, mais écoute. Ouais, tu peux du coup. Oula. Ouais, mais. Ah, c'est là les bottes. Ah, oui, il faut avoir les bottes, ouais. Ah, bon, c'est pas passé. Alors, du coup. Là, il faut avoir le grappin. Parce que du coup normalement c'est dans ce coin là. Bah il y a une grotte après. Là on a là. C'est sûrement ça. Alors. Ah oui d'accord. Oui en fait faut voilà. 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 Alors, hop. Un petit cœur, ça fait pas de mal. Hein. Boum, ah, ça fait mal. Hein. Ah, oui, ça aussi, ça fait mal. Un petit peu. Hop. Un téléporteur. Un peu trop court. Voilà, donc il nous permettra de faire des TP un peu plus sur des zones en plus qui sont un petit peu éloignées. Donc c'est très pratique. Alors. Donc Pépé le Ramolo. Qu'est-ce que tu as à nous raconter Pépé cette fois? Le corbeau du château. Donc en fait là voilà, faut trouver les 5 feuilles d'or. Ouais. Là je me noie. Encore un. Coquillage, j'ai un quart de cœur juste là-bas aussi. Hein. On le voit à droite, ça récupère oui. Avec les palmes après. Alors du coup. Et là on peut pas. Alors du coup. On va refaire le chemin. Ouais.
relativement vite, on va esquiver les ennemis. Oui. On esquive. Alors c'est simple, après, une fois que t'as les bottes, tous ces petits passages là, tu tournes ouais, c'est l'express. Nous, ouais. Tu fous comme ça tout le temps en fait, c'est. Ça commence à être une défaite. Ah oui, on avait débloqué ici notre coup de cœur. Ouais. Ça va, là, récupérer le coup de cœur. Voilà. Alors, du coup, pour trouver le château. Je ne sais plus où est ce foutu château. Le château, pourtant, je l'ai vu tout à l'heure. Il est là au-dessus, voilà. Il est là. Si. Bah voilà. Il est là, le château. Voilà. Faut passer à un autre endroit, je pense. Ah oui, faut avoir le... petit cœur, hein, c'est gratuit. Ou faut faire le tour, il me semble ouais, peut-être. Ouais, il y a un petit tour à faire. Oui. Ah, il va y avoir un indice, sûrement. Ah, le singe, voilà, c'est banane. Voilà. Ouais, c'est ça. Ah oui, ils vont faire un pont. C'est ça. Mais du coup là on rentre dans le château et c'est là que du coup pour la quête que tu connais pas c'est rechercher les fameuses feuilles d'or. Ça rappelle un passage dans Twilight Princess, le grand singe. Mais là c'était vraiment les singes qui faisaient le relais. Oui. Voilà. Voilà. Et en plus, un bâton. Petit bâton. T'as le TP là-haut dessus qui permet de faire les allers-retours avec le château. Voilà. Donc de là. Hop. C'est là clair. C'est que de la foule. Ouais. Donc. Complètement faire le tour. Voilà, oui, effectivement. Permettre d'entrer. On va là, voir c'est ce que PP a à dire, si on est juste pour parler du corbeau. Là on avait vu la référence au. Au premier Zelda sur la Super NES, A Link to the Past. Donc à chaque fois il va nous parler des 5 feuilles hein, de ouais. Donc voilà, le soldat caché dans la salle la plus reculée du château, même sur lui il y a le corbeau, enfin ouais. Voilà. En fait c'est une petite série d'énigmes pour tout récupérer un peu. Donc hop, dans le château. On y va. C'est parti. Comme dans A Link to the Past, la même chose, hop. Et du coup on est à l'intérieur. On passe en mode Metal Gear Solid. Ça va être ainsi de suite. C'est ça. Oula, là par contre c'est du top. Voilà. Il faut prendre bien son temps. Ouais, c'est pas une très très grande zone. En non. Fait, ouais, pour te dire, on a fait le tour du tout. Je crois qu'il y a un ou deux sous-sol. En tout, il y a pas. Voilà. Là. Alors, pour celui-là. Voilà. Alors, pour celui-là. Il me semble que c'était ça. Merde. Je ne sais plus quel de l'équipe c'était comme ça. Voilà. Ah non. Voilà. Là, c'est les deux à faire l'extérieur et les trois autres sont à l'intérieur, il me semble. Voilà. Sous les rochers, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà. Faut juste que. Hop. Voilà, porte utile. Ouais, la place on utilise beaucoup.
après, ouais, normalement, je crois que c'est, il y en a un sur le sous-sol tout en bas, il y a deux, trois, les deux sont à l'intérieur. Allez, voilà. Oula, oui. D'accord. Voilà. Ouais. Rien de plus bien, simple. Voilà, c'est pas bien compliqué. Allez, hop, voilà. Bien joué. Ouf. Les ennemis, en gros, voilà, ils bloquaient. Oui, voilà, ça permet d'aller plus vite. Voilà. Bien pratique. C'est. Ouais, parce que se retaper le tour après, ça aurait été un peu chiant. Ouais. Voilà, hop. Ah oui, donc, accéder à notre étage. Ah là, c'est coup des bombes. Voilà, prier de ne jamais être à court de monde, c'est la merde. Voilà. Faire attention, toujours bien positionné sur l'épée quand tu pars aussi. Voilà. Parce que shield à shield, ça ne bloque rien. Ok. Ça. Et la petite dernière, elle est plus très loin. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, il faut descendre. Et en fait, là, de l'intérieur, enfin, on va repasser. Sur la petite salle à droite, okay. Ici, tout simplement. T'as la petite descente en bas et voilà. Ça reste une zone oui, très voilà. Intermédiaire. Restreinte, mais bon, il y a de quoi faire quand même. C'est ça, c'est, je veux dire que ça fait un peu ces zones où tu sens que t'es là pour que pour pas être dans un donjon, mais avoir un truc très guetté, très objectif. Non. Attends. Pour sortir, revenir, là j'ai un trou. Utiliser un pot peut-être ouais, pour crois, sur ça, ça ouais. Doit être ça. Bah voilà. C'est tout bête. Hein. Tout bête. Hop, alors là. Voilà, il y a pas de soucis. Et voilà. Donc on va tout ramener à Richard. C'est ça. Ok. Comme ça. Et il me semble que c'est lui qui donne la fameuse clé pour le troisième OBJ. C'est une poursuite. Ouais. Mais arrête. Méchant. Alors, du coup, de là, on a un TP. Il y a un TP juste à côté, en plus pour aller chez Richard, si on ne trompe pas. C'était pas où ouais, me semble-t-il. Ah, là, tu vois, là, quand je connais pas. C'est pas ici. C'est dommage qu'il les marque pas plus que ça, les TP. J'aurais dû les marquer moi-même. On va passer par. Je veux par là au moins. Attends, il y a une maison au. Un château. Normalement, c'est je peux toi, par tout là. Bêtement tout je au-dessus. Je peux ouais, par là. C'est temps. Mais si je continue là, je ressors ici. Je peux descendre là. Il y a un TP, ça permet de remonter ici chez Richard. Moi, si je me trompe pas. Logiquement. Il y a toujours une marque d'erreur, mais. Oui, oui, logiquement, d'après la carte, on va. Ça on devrait pas se tromper. Après, il y a toujours les TP qui sont alignés s'il faut, et je sais qu'il y en avait un à côté de là où on était passé tout à l'heure. Oui. Donc, on s'en va être bon. Voilà. Oui, ben. C'est ça. Et en fait, si je re-TP ici. Voilà. Non, ça me permet de descendre. Voilà, ouais, ça va beaucoup plus vite. C'est
ça. Normalement, oui, c'est ça. Si on s'est pas trompé. C'est ça. Et on a réussi l'ami Richard. Voilà, tout simplement. C'est bon. Voilà. Donc voilà. On va lui donner ses feuilles dorées. Hop, on a plus. Tout. Alors, oui. Ah oui, le fameux coffre qui file, voilà. Squelette, un petit coquillage. Voilà. Ok. Voilà. Là oui, après ça va descendre. Voilà. Il a pas voulu le choper, d'accord. Ouais. Salaud. Un rubis de 20, de 5, ouais. Par contre ça se perd pas. C'était à 200 le quart de cœur en magasin qu'il y avait. Ouais. Pour essayer de repasser le chercher. Alors. Oula. Oui, là c'est. Ah oui, des... ouais, c'est le champ de piège. C'est ça. Le cas de lire le champ de mine. Être pressé. Le chemin du quart de cœur, voilà. Oula, oula, oula. Alors, normalement, je vais faire un forcing là-dessus. Voilà. Voilà. Et la petite technique pour forcer. Voilà. C'est pas grave. Non, mais on n'est plus à ça. Ouais. Tes pieds dans un secret, ça veut dire il faut creuser. La petite pelle, il nous avait prévenu un dragon pelle. Voilà. Juste ici. Voilà. Voilà. Donc la clé cyclope. La clé cyclope. Et donc c'est le troisième donjon. Voilà, le troisième donjon. On va faire celui-ci et on conclura le live après le. Oui, je pense qu'on termine sur le petit prochain. On va pas trop montrer sinon. Après, la limite au rythme de progression. Voilà. Si on veut forcer un peu, on peut faire le let's play en couplet ou manette. Voilà. Il semblait que. Ouais, il y a peut-être encore des petits trucs. Il semblait qu'il y avait encore un coquillage ici. Là. Là. Non, pas du tout. Non, voilà. Donc c'est parti, sens inverse. C'est ça. Voilà. Et voilà, là on est repassé ici. Et en plus le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas à pourrir tout le monde, on est juste à côté. Juste à côté, hein. C'est un gros gain. C'est bien pratique. Allez, c'est parti. Là, je vais vraiment le découvrir. Tu veux le faire, peut-être? Non, je vais se le faire. Vas-y. Peut-être ta petite partie à la main. Exactement, oui. Voilà. Alors. Allez. Fallait faire un contour, je crois. Ouais, faut passer par. C'est-à-dire qu'il faut. Hop. Normalement c'est là. Ouais, ça doit être ça, oui, pour qu'on est derrière. Ah bah il est là lui. Salut mon là. Ah oui, c'est pour avoir le miel. Ouais. La pire idée du monde. Ouais. Ah, il va se sauver, toi, du coup. Oui, c'est lui qui se fait piquer, c'est nous qu'on a récupéré. C'est ça.
Après il l'a un petit peu cherché, on l'a tous. Ah oui, ça je sais où ça va servir. Il va y avoir un ours en fait. Ça. Alors. Vous verrez bien. Voilà. Les meutes teasent un petit peu. Ouais. Alors du coup, c'est ça. Oui c'est ça, ouais. Il va redescendre après. Donc on prend d'ici et qu'on tourne. C'est ça. Et là on fait le petit saut ici comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Hop. Et nous voilà. Et dans le donjon. C'est parti. C'est parti pour le troisième. Voilà. Les bombes. C'est et gratuit. Ça fait plaisir. Là, on commence à voir que ça commence à se porter. Commence à y avoir des trucs un tranquillement, peu, ouais. Ça a été crescendo. Mais c'est quoi, ça atteint assez vite un pic de difficulté, on va dire, je vais dire vers le donjon 4 ou 5. Oui. Mais après, à partir de là, quand tu commences à être rodé justement sur le 5ème, 6ème donjon, la difficulté n'est pas si exponentielle que ça en fait. Tu... En fait, il y a un moment où tu vas caper un petit peu, tu vas te rendre compte que c'est un petit peu plus dur, mais c'est pas voilà. Oui, c'est comme dans le dans l'original, dans le premier. C'est exactement la même chose. Et voilà, une fois que tu t'habitues vraiment au jeu, la difficulté, oui, ça reste très artificiel. Voilà. Oh, le petit piège. Alors du coup, ce donjon-là, il était un petit peu retort quand même. Ah oui, là, je vois que c'est quelque chose de prévu normalement. Attends, un petit truc à faire ici aussi. On y repassera, il y a beaucoup de... Les donjons en plus ouais, commencent vraiment très vite à s'agrandir. D'ailleurs c'est pareil pour Oracle of Age Season. Oui oui. C'est que en fait les trois premiers donjons sont voilà. Le quatrième donjon de Oracle of Age, il me semble qu'il y avait un truc genre 5 étages. Il y avait un truc assez bon, ouais, délire et tout. Oui. Non, on va continuer par en haut. Oui oui. Ouais, on va tout mettre du coup. Là, ah, même, d'accord, voilà, oui. Là, c'est un système, peu importe lequel tu prends, tu t'en sortiras. Ah, oui, d'accord, oui. Jouer, j'ai déjà vu ça à l'ancienne. Ouais. Voilà. C'est marrant, oui, ça me dit quand même quelque chose. J'ai dû le faire quand même à l'ancienne. C'est possible que j'ai déjà fait à l'ancienne. Donc du coup là ça va être le forme des clés. Effectivement oui, ça me dit vraiment quelque chose. Ah oui c'était ça ouais. Non ça va être juste que voilà, toi tu t'ailles là-bas. Toi tu vas là-bas et... Non. Toujours en miroir comme ça, alors. Ah, oh, je sais plus. Oui, 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 c'est moi juste. Je sais qu'il y a un système. Il y a un truc, faut que tu le vois, tu le fasses et tirer dessus. Ah. Ah non. Non, non. C'était tout bête. En gros, hop, la bombe là, et... Ah. Je fais péter, et... Ouais. Boum, voilà, bien joué. On le renvoie là-bas, direct. Là. Et ouais, j'ai perdu la bombe en plus. Ah oh, putain. C'est pas grave. Ah oui, 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 ouais, ah oui, oui, y'a plus. Ah, c'est ballot là. Il y a un truc pour tirer dans les bombes assez facilement. Mais faut aller les farmer. Pour ça, on s'en sort toujours, hein, c'est pas. Non, pas là. C'est pas un autre item pour remplacer ce concept. Alors, la. Ah, la.
Est-ce que je peux pas les arrêter à la poudre? On va regarder, ça m'étonnerait, mais... Non, faut vraiment avoir les bombes. Ça va peut-être être haut. Peut-être tout simplement en sortant du donjon, peut-être. Là c'est. Oui, on peut pas des trucs comme bien. Oh oui, il doit y avoir un truc. Il y en a là sinon peut-être. Ah voilà. On va refaire le plein. Il faut au moins. Sur le côté, oui voilà. Ah d'accord. C'est pour ça qu'il faut les bottes parce que tu t'approches. Oui, voilà, je comprends mieux. On va sortir et rentrer pour repartir en oui. Faire pour en avoir une petite réserve. Voilà, voilà. C'est ce qu'il faut faire. Là on devrait être largement bon. C'est parti, allez. Tu vas être reparti pour la bataille après. C'est ça. On va se réamuser. Alors, du coup. Ça, donc ça. Faut mieux être patient d'avoir les petits ennemis. C'est ça. Ok, donc du coup, on va commencer par celui-là. Merde. On va commencer ici, comme ça. Hop. On va lui tomber direct, avec ça. On va le mettre là, hop. Ça comme ça. Voilà. Voilà. Et du coup... La clé. C'est ça. À ne pas laisser tomber. Évidemment. Sinon, on rigole encore. Hop là. Avis, pareil, du coup. La technique. Ah oui. Ah oui, un peu loin. Ouais, tu vois, il se fait trop loin. Approche un peu, il s'est fait. On a un peu bien. Ah, faut pas être trop près. Même, ouais. Si tu le mets là comme ça. Je peux même peut-être le gérer comme ça. Oui, ça passe. Voilà. Et du coup, il est mort. Sur un autre étage. Ouais. Voilà. Ouais, fallait. Ouais, ouais, si on y va dans quelque chose, fallait tirer là-bas, il me semble. Voilà. Effectivement, c'était ça. Ouais, je m'en souviens, je l'avais déjà fait sur. Mais il y avait longtemps. Les abattes. Voilà. Il y en a beaucoup des phrases. Oui, c'est oui. C'est facile du coup. La dernière bombe. Pareil. On y reviendra si on peut fermer des bombes entre deux parce que voilà. Ça va être un petit
petit coffre, ouais. Enfin, petit coffre, grand coffre. Ah, là, il y a des bombes. Boum, ça fout la tête en même temps. Le coffre. Ah, le coffre. Et je crois qu'on va essayer de redescendre, refaire les deux. Oui. Je peux pas sauter directement comme ça. Voilà, ouais. Du coup, allez, hop, c'est parti. Tous les petits ennemis avant. Ici. Voilà. Oula, c'est la répéter, c'est là, faut pas attendre. Voilà. La clé supplémentaire. Il faut, il réserve des petites clés pour passer là-bas. Oui, ouais, parce qu'après c'est le labyrinthe. C'est ça. Donc de toute manière on est repassé par là. Il y a cette partie là qui permet d'en avoir une autre. Ah d'accord, je sais ce que c'est ça. Ouais. Faut les leur donner de la bombe dans. C'est ça. À bouffer. Référence au premier Zelda. Deux, je crois. Ah, il parle de l'autre côté. Ouais. Voilà. Ah, prends-la. Ah. Ah, c'est sympa de les reprendre comme ça. Ah, c'est ça, tu viens voir là. Je vais attendre que je reviens. Non, il va pas vouloir. Ouais. Bon. Là, c'est bon. C'est ça. Pas farce. Oh là là, il en faut combien? Il est mort. C'est pas un super radar ici. Ah ouais, c'est bon, là c'est. Hop, il ah ouais, c'est raté. Bon bah c'est trop long. Le gros avantage c'est qu'on peut ressortir. Tire de protection. Oula, je bip. Je bip, j'ai plus peur. Oula. Bon, on va essayer de voir si on peut refaire une collection de bombes. Tout ça là-bas, j'y ai pas été. Hop, hop. Plus important. Ah oui, il y avait tous les chiffres. On fait ça. C'est pas trop dur, hein. Oui, c'est tout simple. Voilà. Ça va déjà aider un petit peu aussi. Bon, on va voir si on peut faire le refaire le plein de bombes avec le petit labyrinthe au pire, parce que là, sinon, ça va être compliqué, je le sens. Mais bon. Ah oui, il en faut plusieurs, ouais. C'est le petit... ouais. Ouais, le petit endroit où il en faut plus. Ouais, là, non, il va falloir en aller avec une seule bombe. Non, il en faut plus. Ouais, ouais, il en faut largement plus, mais là... Désolé pour la toux. Oh, on avait pas pris un passage déjà avec un escalier. Il y a là. Oui, c'est celui-ci, ouais, qui permet de... Plus rien qui me redonne de bombes en fait. On va pouvoir les farmer à l'entrée et repartir. Oui. Bon, soit après tout est ouvert, hein. On n'a pas de. Ah si, on aurait pu garder les petites clés pour ouvrir le haut là-bas. Hop, là. Hop, hop. Ah bah les deux d'un coup. Voilà. On fait la combinaison. C'est ça.
Est-ce qu'on va nous en donner quand même? Alors, il faut faire le plein. Là, c'est le donjon de la boue. Bon, l'avantage c'est que ça reset pas les donjons quand tu fais des allers. Oui, heureusement. Tout ça retapé, c'est noir sinon. T'as une près, on devrait s'en sortir. Oui. Voilà. Hop, allez. Allez, à droite. Voilà. Allez, c'est reparti pour un tour. Peut-être qu'ils vont en distribuer encore ici aussi. Peut-être, ouais, si on peut retrouver une petite. Allez, allons-y. Faut prendre plus, ouais, faut prendre plus son temps. Par ici les gars, s'il vous plaît. Ouais. Il prend bien son temps pour bien la remettre dans la gamelle. Shootez vos mousses. Ah. Ça, ça devrait être bon. Eh ben. Je vais pas le louper. Vraiment un petit timing, hein. Ouais. Voilà. Encore une navette. Par là. Ah, j'aurais dû la préparer. Ah. Voilà. Il faut pas lui redonner. Elle vient là. Voilà. Voilà, il en reste plus que l'un des deux. On en a quand même utilisé vite. Ouais. C'est du coriace. Là du coup normalement faire attention, celui-là, voilà. Et là on a les petites bottes. Voilà, les bottes de Pégase. Et donc, oh putain c'est bien, il les équipe directement sur elle en plus, donc c'est adorable parce que du coup... Gagne du temps. Ah bah oui, parce que avant fallait les équiper. Oui, c'était, ouais je sais, je m'en souviens. C'était voilà. Là on pouvait créer un raccourci, même pas. Bah on peut, mais en fait ça te bloque pour aller là-bas. Oui. Après tu descends, tu remontes et puis t'es tranquille. Du coup tu peux prendre des bombes au passage aussi là en bas. Ouais, s'il y en a encore. Ah puis normalement du coup... Ah non. Il me semblait que c'est passé les... Comme ça au moins au pire décor. Voilà. Là de toute manière maintenant, là il faut des petites clés de toute manière pour continuer. Ouais, ici. Ouais. C'est surtout que... Oui, c'est le... On va être sur le... On va être maintenant sur l'entrée du donjon en fait. Toute la partie entrée du donjon à refaire. Ouais, ouais. Est-ce qu'on a un chemin rapide? Non, rien. Là, on a rien à faire. Va falloir prendre le TP. Je pense qu'on va retourner au demi-boss ouais. Et prendre les TP du coup. Là. On peut faire des drifts. Hein. Ça va beaucoup plus vite. Ah, ouais, ça c'est. Ça va faire un gain de temps. Ah, ouais. Là, on t'est fait à l'entrée. Ça va beaucoup plus vite. Oh, ça va faire venir un sacré bout de temps. Ouais, hop. Là, direct là-haut. Voilà. Voilà. La clé supplémentaire. Voilà, on va aller la chercher. On va ouvrir la partie. Bon, on va voir après ce qu'il y a encore des trucs là-haut. On peut passer par là en fait. Oui, c'était ça. On va faire. Il y avait ça qui est bloqué. C'est ça. Euh,
Voilà, on peut faire ça. C'est pas forcément plus rapide, hein, mais c'est pour le chemin. Et du coup, on met ça ici. Ah oui, il faut passer un coup de... C'est ça. Et après, ça arrive dans toutes les autres salles du donjon carrément. Mais je m'en souviens. Ça ouvre le coffre ici, et puis il y a l'autre partie en bas à droite, là. C'est ça. Non, c'était en bas. Du coup, hop. On a fait l'inversion, donc c'est le plus important. Et là, du coup, normalement, on peut retourner là-bas. On va passer par ici. Ah oui, il y avait ça. Il y a ce truc-là, pas trop. Tu peux passer comme ça. Ouais, il y avait un fond suspect. Ici peut-être. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc là, tu te mets là. Et ah oui, un peu. Ouais, en fait, faut, ouais, faut prendre de l'élan, puis hop là. Voilà, et tu fais les trois sauts. En fait, les sauts de trois trous, c'est comme ça que tu les gères. Voilà déjà clé du boss. Boss qui se trouve. On a toujours pas l'emplacement. Non, toujours pas. Là-bas, il n'y a plus rien à faire. Là, il nous faut la petite clé ici qui manque. Alors. Ici, il y a des coffres. Il y a un coffre là et un coffre là à faire. Donc, ça doit être ces deux-là. Et donc, pour ça, il faut revenir en arrière. Je ne sais plus comment on les fait. Que ça me revient. Bon, au moins un des deux. Donc là, de toute manière, on est bien en inversé, ça c'est normal. Là, il y a un mur. Là, là ici, il y a celui-là. Faire là. Voilà, on a baissé du coup. Ah oui, d'accord. C'était ça. Ça va? En fait, de là, ça permet de, si je me trompe pas, hop, par ici, le boss qui est, faut prendre, merde, c'est là, faut prendre les, ouais, il faut les coffres, dans un coin, je crois. Voilà, il faut il y a ce coffre là, de toute manière, voilà, c'est ce truc là. Alors, pour le coffre là-bas, par contre. Là, celui-là, qu'est-ce que c'était? Là, faut mettre une bombe à tous les coups. Pas bizarre qu'il y ait une entrée ici. Il me semble que c'était un truc où en fait faut que tu les fasses reculer là-bas. Les deux en fait. Non. Je peux pas les avoir. Faut retenter une bombe sinon. Ouais, il faudra une bombe, je pense. Des bombes ici, ouais. On va voir si c'est ça. Ça serait quand même logique. Ah
non, même pas. Il y a un truc où il faut peut-être les pousser les deux dedans, je crois, les squelettes en fait. Non, c'était pas ça, je ne sais plus. Là, j'ai un gros trou. Ou alors, il fallait qu'ils soient tous les deux, puis avec l'attaque cyclone d'un coup. Ça, le bruit fait pas le mur, fait pas de bruit étrange. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous reste dans le donjon finalement? Le pire, c'est qu'il y a un coffre ici quand même. Bah, c'est ça. Là, je pense qu'il faut qu'ils soient peut-être ici. Tous les deux sur les. Sur les dalles, les tuiles, et puis ouais. L'attaque cyclone en même temps. On va tester ça. C'est peut-être possible. Il y a tellement des énigmes tordues. Ah oui, c'est toujours un peu vicieux en plus en général. Attends, on va repop pas. On va pas vouloir repop. Soit ça où il y avait deux ennemis sur les tuiles et puis donner un coup de bombe à ce moment-là. Ah, il veut pas recouper. Ils veulent pas repop. Ah, pour sortir du. Alors. Et en plus, parce que de toute manière, il y a un truc qui me titille, c'est que. Même si on remonte là, je meurs. Même si on revient sans le truc là-bas, il faut deux petites clés, il n'y a qu'un seul coffre. Ouais, ouais, ouais. Si, il y a le truc là-bas aussi. On va aller faire ça là-bas. C'est peut-être possible. On passe par ici. Hop, alors on va faire le chemin là, mais c'est pas grave. Voilà. Là, je vais commencer à bien. Ça, oui, on l'a vu. Juste là, faut redescendre faire le tour pour ouais aller pour ouais avoir accès à la salle. C'est ça. Alors c'était par là. Ouais. Voilà, logiquement c'est bon, c'est ici. C'est ça. Ça m'a pas tué les ennemis. Oula. On va se poser. Si on aussi. Alors, il va nous donner la clé. Voilà. Voilà, non, tu as les clés. Juste enfin, la clé en fait. Je fais une petite clé, ça y est. Du coup, ouais, là. Et il en manque encore une, bah, c'est la clé mystère, enfin le va coffre être, mystère. Avis, ouais, c'est celle là-bas. Hein. C'est que celle-ci. Alors du coup, ouais, c'est bon. Ah, c'est cette fameuse clé mystère qui. C'est ça. Alors ouais, parce que ouais, tout ce qui nous indique là ici, c'est ça. Il y a que ouais. Il y a que celui-ci comme coffre. C'est ça. Après, il est peut-être pas forcément dans un coffre.
Parce que j'avais récupéré la clé qui est sortie de là en fait. Je ne sais plus. Normalement tout a été récupéré. Je pense que dans le doute vaut mieux. Allez, au revoir, mais normalement oui. Parce que là. Si on se met là, ça passe. Voilà la clé, on l'a eu ici. Et ici, il y en avait pas. Bon, bah ça va être là. Bah ouais, c'est que ça. Il reste plus que ça. Faut juste trouver comment on fait. Là j'ai un trou de ouf. Je pense que moi j'ai l'envie. Je pense avoir trouvé l'idée. Ça doit être ce que j'ai dit. Faut rassembler les deux, mettre une bombe, peut-être que... Ou alors c'est qu'il faut vraiment faire l'attaque cyclone sur les deux. Ouais, peut-être les ramener les deux et les avoir à l'attaque cyclone, je sais pas. C'est une des deux solutions, sinon après... On va aller voir ça tout on de suite. On va tester, hein. On va voir. Hein. Alors. Hop. Alors. Alors, les voici. Faut qu'ils viennent tous les deux, mais c'est pas évident. À chaque fois, je dodge comme ça. Alors, comment ça peut être ouais, ça va pas vouloir. Hein. Non. On va retrouver là, c'est pas évident. Ouais, non, là j'ai vraiment un trou d'ouf, quoi. Comme ça, peut-être. Non, toujours pas. Sur les 5 dalles peut-être. Là ouais, un truc comme ça, mais... On peut pas en poser plusieurs à la fois en fait. Ah ouais. Là franchement là je... Là je cale sèche. Moi aussi là. Ça c'est ces gars là, ouais. Ouais non là... Là je ne vois pas. Et puis en plus faut les faire autre chose. On va aller débloquer la clé là-bas vite fait au pire. Il y a peut-être un autre passage ailleurs. Alors. Ouais, il y a toujours ici vrai, là-bas à débloquer, hein. Ça nous fait faire l'arrière-tour pour les faire ouais. Au top. Ouais, de toute façon il en manque 3 lignes. Oui, hein. Ça c'est... Ok. Passer ouais, automatiquement la dernière. C'est ça. Il faut retrouver l'astuce. Il va finir par la trouver. Dans les souvenirs, c'est vraiment il y a un truc avec jouer avec deux dalles, mais je sais plus quel. Est-ce que c'est pas. Je me dis un truc vaguement, c'est de foutre une bombe là, d'amener les squelettes à péter sur la bombe, je crois. Un truc comme ça. C'est possible. Ça me dit vaguement quelque chose. Ah, il y en a une qui fait. Ah, il va pas vouloir. Hein. Ah, peut-être. Ah, faut qu'il bouge, pas faut le coincer. Ouais, non, même pas. Ah, il y a un truc. Ouais, pas de bruit particulier. Rien à l'appel ici, de toute manière. Non, là, il y a rien qui ressort. Hein. Je vais essayer même le dash, là y'a rien. Mmh.
Ouais, non, là ça cale. Ouais. Et alors, la carte, est-ce qu'on aurait pas loupé un truc en plus? Une clé plus simple à trouver quelque part, peut-être? Oh, c'est tout ce qui nous manque, hein. On a vraiment fait le tour. Hein. Ouais, c'est la seule qui manque. Bah écoute, on va pas non plus rester non, non, trois non, ans. Non. On va aller regarder vite fait. Hein. Ah, c'est moche, oui, il est sauvé. Oui, oui, ça, c'est moche, oui, c'est sûr. Mais... On a un timing, les gens. Ou alors. Du coup, c'était le donjon. Je suis sûr qu'on est pas loin de la Solus, hein. C'est... Non, non, à mon avis, c'est un truc tout con comme ça, hein, mais. Alors. On va se faire avoir comme des bleus, tous c'est les ça, coups. C'est ça, on va lire, on va faire. Ah, bah oui. C'est un. Moi, je. C'est peut-être possible, c'est un ordre avec les dalles ou quelque chose comme ça. Ça peut être assez souvent, c'est des trucs tout cons en plus, hein, on le sait. Hein, mais... Voilà, du coup. Le souterrain aux clés El Famoso. Donc, ça c'est fait, la clé machin, là. Le donjon, voilà, on est ici. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Celui-là aussi. Alors. Et en plus, ça donne que 300 rubis en fait. Que 300 rubis. Ah bah, il y a quelques... C'est déjà 300 rubis, hein, mais. Oui. Oh, on a loupé quelque chose ou pas? Ouais, je suppose. Hein. Forcément une grotte quelque part ou de l'en là. Là, on a dû louper une clé ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a pas fait? Les boss là, on l'a fait. Les monstres noirs, ça c'est fait. Celle-là de mini-clé, on l'a eu normalement. Là, c'est le seul coffre qui reste sur la carte au rez-de-chaussée. C'est ça, mais qui contient 300 rubis. Donc, c'est finalement, voilà. Fatalement au moins un. On a loupé une quelque part. Ouais, ouais, on a dû louper un petit truc tout court. Mais... Comme tu dis, c'est 300 rubis. Il y a des lignes quelque part. Ouais, je cherche un peu, mais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec les du boss, ouais. Ouais, alors je ne sais pas où est-ce qu'on a loupé quelque chose, mais on a loupé un truc. On regarde par rapport au moins 1 pour voir s'il y a une. Ouais, au moins 1 dans celui-là, normalement on a tout débloqué. Bah oui. On va aller voir, hein. On va aller regarder, on va faire le tour en premier. Là-dedans, il y avait le mec ici. Ah oui, il doit y avoir un ordre. Alors, loin devant toi, ne crains rien. Fonce et vole. Ah bon. Voilà, tout bête. Hein, ah, c'est... Ouais. À rendre fou, hein, des fois, des trucs comme ça. Eh oui. Donc au final, on avait même pas besoin de la solution. On est juste débile. Ou alors, une erreur d'inattention. Ça passe, c'est ça. On pourra faire attention au cœur en même temps. Bon, normalement, je crois qu'on avait quelque chose qui réussit. Ouais, il y a la potion pour la raise. Ouais. Et puis d'ici là, je pense qu'on va bien avoir quelques petits cœurs. Oui, par-ci, par là. C'est ça. Normalement. Voilà. Hop. Bombe au passage. Parce que là, sur ce coup-là, on avoue, on a été nuls. Hein. Ouais, là, c'est... Là, on peut s'insulter de nuls. Bah, heureusement qu'il y a le petit symbole de boussole voilà. Qui apparaît en plus. Tiens. Oui. Voilà, là, il y a un truc sur moi. Ah, oui. Va falloir... Ah oui, si, c'est tout bête. Ah oui, foncer dessus. C'est voilà. Ça, ça fait tomber et on passe là. Et voilà. C'est tout bête, ça marche oui, bien. Oui. À faire le saut en... Ah oui là ouais. Hop. Oula oui. Un peu trop près. Ouais. On s'éloigne un peu de la grotte. Voilà. C'est un passage. Voilà. Comme ça, hop, on va choper les cœurs après. Oui, vaut mieux d'avoir finir lui. Lui on peut l'avoir direct après. Et l'autre en face après. C'est gratuit.
En plus, on va donner des pile poil le nombre de cœurs qu'on veut. C'est ça. On fait ça au cas où il y a. Je sais pas si on a fait le petit pop dedans, on ne sait jamais. Hein. C'est ton jamais. Voilà. On est full. Ah oui, le petit labyrinthe, ça, je m'en souviens. Alors. Comment bien le griller. Ouais. Ne pas se faire chier. C'est ça. Dirait. Et là, du coup, ouais, lui, il fallait lui foncer dedans à chaque fois. Ah oui, oui, effectivement. Ça vise pas de faire trembler les murs, oui. Voilà. Le cyclope. La matière est super bien. J'ai oui. Vraiment l'impression de voir le plafond dedans. En fait. Voilà. Du coup. Ah oui, il fallait séparer en deux. L'autre oeil. Ah, il fallait séparer en deux. Ah oui, c'est vrai qu'il faut. Oui. L'attaque, ouais. Voilà. Voilà. C'était ça. Hop, il va falloir faire attention. Ils ont fait dans leur style. Hop. On va se concentrer sur un seul. Oula. Ah oui, il faisait trembler le sol. Voilà, au moment où il frappe le sol. Et voilà. Non. Et voilà. 2-3. Ta-tan. Troisième instrument. Voilà. La cloche. Cloche. Ouais, la cloche. La cloche des algues. C'est ça. Et voilà. On a trois donjons en midi après. Eh oui, oui, tranquillement. Et encore on. Mais après, il y a encore plein de petites. Oui, oui, et on a traîné un petit peu. Oui, oui. La cascade, oui. Et puis là, la cascade, ça c'est chiant. Il y a, je crois qu'il y a deux quêtes à faire. Oui, oui, oui. Deux quêtes à faire entre eux. Voilà, donc ça tombe bien qu'on va clôturer le live. On va s'arrêter voilà. Là-dessus. C'est déjà bien. Voilà. Et du coup, bah merci à ceux qui sont passés. Et puis n'hésitez pas à passer au magasin jeuxvideo.fr, hein, Saint-Quentin. Voilà. Des Link's Awakening qui vont bientôt revenir pour oui. Partir tout ça. On les fait à 55, hein, 55 euros. Oui. 55 euros, ils sont disponibles ici. La Switch aussi qui a pour le test les sessions Smash Bros. Il y a l'association Rétro vers le futur. Voilà, donc que je représente. Réalisme, rétro, tout ça. Voilà, n'hésitez pas à passer nombreux. Bonne fin d'après-midi à tout le monde. Bonne fin d'après-midi. Salut les gens.